Voilà, Ted Cruz, qui lui est c'est la droite évangélique, religieuse, etc. Et l'autre, C'est Marco la Rubio. personne qui a dit que M. Poutine est un gangster. Cruz, Oui. oui. Alors OK. que Trump a dit que Continuez. Poutine est un type Non, mais enfin, épateur. les débats, restons Ouais. politiques, restons droits. Parce que Oui, mais l'un et si l'autre. jamais un Oui. monsieur, bon, il ne va pas gagner, il y a quand même les Rockefeller, les gens comme les Rothschild, les grosses familles qui dominent quand même les continents. Donc, ce n'est même pas la France, on parle des continents. C'est des familles qui ont grandi en 1827 avec des familles à 5 garçons où ils s'expandent. Vous parlez J'ai des dit, c'est Trump? au-dessus de tout ce qu'on parle. Oui. OK? Donc, comme il dit, il y a les lobbyistes, il y a les gens qui se présentent aux élections, Oui. et il y a des gars comme Donald Trump qui ont, quoi, 10 millions d'euros? C'est pas lui qui Un l'a construit peu, Paris, enfin, hein? il doit déclarer en Amérique, il faut qu'il En montre tout les cas, papiers. il dépense son propre argent. Il a peut-être un peu Voilà. plus. Mais enfin, un garçon comme ça, si moi j'ai des biens et j'ai travaillé toute ma vie pour ma famille, pour mes amis, pour un pays où je paye mes taxes, tout ce qu'il veut, je crois d'abord, c'est protéger ses intérêts. Donc, quelqu'un qui travaille gratuit, c'est quelqu'un de dangereux. Ça veut dire qu'il protège les intérêts de son pays. Bon, c'est vrai qu'on a des problèmes avec les Middle-East, mais ce qui dit dans un sens, se retirer du Middle-East, c'est. Moyen-Orient. Attendez, c'est leur foutre la Moyen-Orient, bien paix. sûr. Chacun a une Mais philosophie. ah, faut en parler Attendez, de parce oui, qu'on m'a oui. demandé, Non, bien Monsieur sûr, bien Vandamme, sûr. vous connaissez la politique? Mais bien sûr, bien sûr. So I'm Bien aware sûr, on about le that. voit. Yeah. Ah, ouais. Merci, Jean-Claude. Merci. Mais